Selon un responsable, l'Afghanistan aurait besoin de 600 millions de dollars dans les prochains mois pour les opérations humanitaires. Mais seulement 35% de cette somme a été fournie par les donateurs internationaux. Lors d'une récente conférence à Genève, les nations ont promis plus d'un milliard de dollars d'aide. La majeure partie de l'aide internationale à l'Afghanistan a été coupée. Le pays est également aux prises avec une sécheresse et une grande pauvreté résultant de décennies de guerre. La crise humanitaire en Afghanistan est vraiment catastrophique. Près de 700 000 Afghans ont été déplacés rien que cette année. Cela porte à 3,5 millions le nombre total de personnes déplacées qui ne sont affectées que par le conflit. Nous sommes donc engagés dans une course contre la montre pour aider et soutenir les Afghans vulnérables et désespérés. Et l'hiver arrive à grands pas. Notre crainte est que s'ils ne sont pas aidés le plus tôt possible, les conséquences de cette situation pourront être vraiment inquiétante et plus problématique.